Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter les équipes pour le prochain match? Sur l'Alliance Bleue, nous avons l'équipe 4-0-1-0 Nautilus! L'équipe 3-9-6-9 Yeti! L'équipe 26-26 Évolution! De l'autre côté, sur l'Alliance Rouge, 3-7-1-0 The Cyber Falcons! L'équipe 3-5-5-0 Robotronics! Et l'équipe 3-5-3-3 Mécano! Alors, les équipes sont en place. Les robots sont en ligne. Nous avons le feu vert. Alors, pilote derrière vos lignes. 3, 2, 1, c'est parti! Les Cyber Falcons comptent marquent quelques buts ainsi que les Mécanos. Du côté de l'Alliance Bleue. Oh! Les Cyber Falcons entrent en contact avec Évolution. Tente de déplacer Nautilus qu'il tasse sur le côté de la bande. Robotronics ne répond plus, alors que Yeti a grimpé la première étape de la pyramide bleue. Va-t-il tenter sa chance pour la seconde? C'est ce que nous verrons. Les Cyber Falcons qui retournent à leur point de tirage. Oh oui! Quel tir des Cyber Falcons! Et les Cyber Falcons sont un robot extrêmement rapide. Pratique pour la recharge. Oh! Oh! Évolution qui va de quelques tirs très bien ciblés. Ah ah! Mécano et Robotronics font de l'obstruction à Évolution. Alors que Cyber Falcons revient pour l'Alliance Rouge. Cyber Falcons vont-ils réussir leur ascension? Je pense que c'est réussi pour Cyber Falcons. Je pense qu'on est content du côté de Cyber Falcons. C'est une manœuvre que nous n'avions pas réussi souvent lors de ces qualifications. Je dois souligner présentement le design et les lumières du robot Cyber Falcons qui est très bien agencé pour le match. Problème au niveau des bleus, au niveau au début du match. On attend toujours le score final. Et voilà! Le score final, 37 pour l'Alliance Rouge, 25 pour l'Alliance Bleue.